Bonjour à vous mes clochettes, je suis trop contente de vous retrouver et encore plus particulièrement aujourd'hui. Nous sommes vendredi et je sors d'une semaine de Covid. J'ai perdu le goût, l'odorat, j'étais hyper enrhumée et au-delà de ça, une fatigue de l'espace qui augmentait de jour en jour. Et ça va mieux un petit peu depuis hier jeudi, donc je suis très contente de vous retrouver pour ma petite parenthèse de bonheur avec vous. Et si aujourd'hui on se retrouve, l'espoir d'avoir mis dans le bon sens, oui, c'est pour la blissime, la double blissime de juillet-août que j'ai trop hâte de vous présenter. Alors ça en fait c'est l'intérieur du carton que j'ai tout simplement retourné, donc ne soyez pas étonnés si vous n'avez pas cette boîte, hein. Je l'ai juste retournée. Et concernant cette double box, j'avais vraiment très hâte de l'ouvrir parce que qui dit double box, bah moi j'en attends doublement plus étant donné qu'au mois d'août je ne vais rien recevoir, en tout cas concernant la blissime. Donc du coup j'espère qu'ils ont mis le paquet. Tout d'abord nous avions, parce que je suis abonnée, d'ailleurs j'ai un code de parrainage que je vous mets là, nous avions un choix à faire, soit deux mini cabas si je puis dire que je vous mets à l'écran, sinon on avait la possibilité de choisir ce maxi cabas en coloris vert ou comme ça un petit peu orangé. Moi j'ai déjà le vert, donc du coup j'ai pris le rosé comme ceci et disons que comparé au mini on va dire petit sac, ça c'est beaucoup, j'ai Topaz qui joue à côté, beaucoup plus pratique quand on est maman notamment. Donc le fond est assez large, c'est un sac juste avec un clip, mais non, celui-ci n'en a même pas, il ne se referme pas. Mais disons que pour un petit sac de plage, etc., c'est vraiment l'idéal. Donc moi je suis partie là-dessus, si jamais vous êtes abonné à la box, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez choisi. Mais moi voilà, je suis partie là-dessus, je trouve que c'est beaucoup plus pratique et je ne regrette absolument pas mon choix. Nous allons commencer immédiatement et je n'ai pas pensé à prendre l'ordinateur pour vous donner les détails des produits que j'ai reçus. Donc ce que je fais, c'est que je vais le chercher et je reviens. Alors, je vois tout d'abord que nous avons certaines éditions limitées qui sont apparues que je n'avais pas vues. Je vois partie de plaisir, donc c'est une box un petit peu coquine. Je vous la mets à l'écran, je ne vais pas vous détailler ce qu'il y a à l'intérieur, hein, je vous laisse imaginer. Et vous avez également les soldes en ce moment sur le site de la blissime. Vous avez également une édition limitée blissime et l'armoire de Soso, faut que je vous mets également à l'écran. Et moi j'essaye de retrouver directement ma box pour vous donner un petit peu le détail de mes produits et également le thème pour cette double box. Le thème du coup pour cette double box est Summer Power, les cheveux au vent, la peau dorée, California Dreaming, dans les oreilles, un mini cabas sous le bras, pas de doute, l'été est là, rempli de son énergie solaire unique. Cet été, you've got the power. Je suis nulle en anglais, hein, donc ne m'en voulez pas, au moins ça aura le mérite de vous faire rire. Tout est réuni pour passer 2 mois on fire. Donc, on avait effectivement le maxi cabas hein, pour commencer, qui a une valeur de 18 euros. Il est soldé en ce moment, je vois, sur le e-shop à 5,40 euros. Donc, si ça vous intéresse, c'est peut-être le moment d'en profiter. Et ce que je fais, c'est que je vais piocher au fur et à mesure. J'ai tout d'abord un petit prospectus comme ça, Française des Jeux. Moi, j'ai déjà un compte en ligne. Mais du coup, vous avez 10 euros offerts jusqu'au 7 septembre. Donc, c'est assez restreint pour toute nouvelle inscription et 5 euros joués sur l'application Française des Jeux. Donc, ça peut être pas mal si vous souhaitez effectivement vous abonner. Et le premier produit que je pioche, et pas des moindres, c'est un produit de la marque Garancia. Il se présente comme ceci, nous avons donc une contenance de 20 ml et il s'agit là d'un fluide incroyable douceur invisible en SPF 50. Donc c'est un format miniature hein, que l'on a dans la box. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est une nouveauté déjà. Et ce qu'il fait, ce fluide solaire ultra léger sans effet gris, blanc ou collant vous offre une très haute protection avec un SPF 50. Contre les UVA, UVB et la lumière bleue également. Son action anti-âge réduit le risque de taches pigmentaires et le vieillissement cutané prématuré. À vous la peau protégée et l'effet
peau nue grâce à son fini velouté. À l'intérieur, vous avez une combinaison inédite à large spectre composée de 4 filtres UV organiques, 2 protecteurs végétaux anti-lumière bleue et d'acide hyaluronique afin de renforcer l'élastine de la peau. Et vous avez 95% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est noté également 100 sur 100 sur Yuka. Miniature 20 ml, le format vente est de 40 ml et coûte 22,90 €. Donc on commence plutôt bien avec un produit été, une protection solaire dans une box estivale. C'est tout à fait logique jusqu'à présent. J'ai ensuite un autre produit, alors c'est lui qui est un petit peu coulé d'ailleurs, hein, j'ai l'impression. C'est cool parce que j'ai retrouvé entièrement mon odorat, donc ça va être très sympa pour pouvoir le sentir. C'est un produit Corner Green hein, d'ailleurs, de la marque Active Long, je ne connais pas du tout. C'est également une nouveauté, on a beaucoup de nouveautés généralement dans les box. C'est un soin exquis 3 en 1 pour cheveux secs et texturés coco d'amour. Et ça sent super bon la coco. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc c'est un soin 3 en 1 parfumé à la coco. Je vais essayer de m'en mettre un petit peu, comme ça on va voir en direct. Comment ça s'ouvre? Comme ceci apparemment. Si j'arrive à l'ouvrir. Bon, bah je galère, écoutez, je vais bien y arriver quand même. Ah ça y est, le temps que le produit arrive. Alors ça se présente sur une petite crème comme ceci. Je vais essayer de ne pas me tâcher. J'ai déjà mis un produit à la coco qu'on a reçu d'ailleurs dans la Splendiste été, qui était mais fantastique, que j'adore, de Revlon. Et il sent super bon. Moins bon que l'autre, c'est plus une coco modifiée. Mais ça sent quand même très très bon. C'est une coco un petit peu gourmande, un petit peu plus sucrée. Ça sent très très bon. En tout cas, il n'y a pas d'effet gras. C'est enrichi en huile et en eau de coco. Ce masque offre hydratation et nutrition à vos cheveux sans les alourdir. Sa texture crémeuse pénètre la fibre capillaire et facilite le démêlage pour des cheveux plus résistants et protégés. Vous avez donc de l'huile de coco bio et de l'eau de coco bio fraîche. Donc les cheveux sont hydratés, nourris, démêlés, fortifiés. Il a été nommé aux Victoires de la Beauté 2022-2023. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les produits capillaires, donc je suis ravie. Nous avons une miniature de 90 ml et le format vente est de 250 ml. Je dis nous avons, mais c'est une box qui correspond à votre profil beauté, car il y a un profil beauté plus ou moins respecté, je vous l'accorde, ok. Mais il y en a un, donc les produits que je vous présente, c'est pas forcément ceux que vous aurez dans votre box si vous vous abonnez. Et c'est un coût de 14,50 €. Je pioche ensuite ce produit et c'est un produit de la marque Nuxe, encore pour les cheveux, mais trop contente. C'est un shampoing brillance miroir air prodigieux. Trop cool. Par contre, le format, il est tout kiki. Je vais faire une utilisation avec la crinière que j'ai. L'été, vos cheveux sont éprouvés par le soleil, le sable et la mer et le vent. Nuxe a la solution. Parfait avec ce tout nouveau shampoing, encore une nouveauté, nourrissant et sublimateur. Né de l'expertise du laboratoire Nuxe sur les huiles végétales, il lave et parfume délicatement les cheveux sans alourdir la fibre capillaire. Là, j'ai très hâte de l'utiliser. Jusqu'à présent, je crois qu'il ne faisait pas de produits capillaires, donc je suis ravie. C'est formulé sans silicone et sans sulfate. Moi, je fais pas trop gaffe, hein, honnêtement, pour les produits capillaires. Et puis moi, j'aime bien. Et c'est pas bien de le dire, mais j'aime bien quand il y a du silicone. Alors oui, c'est trompeur, mais ça donne des cheveux plus beaux sur le coup. C'est avec 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Ce shampoing à l'huile fermentée de camélia rose et à la texture lait. Ah, à voir à l'utilisation. Moi, j'aime bien quand ça mousse. Enveloppe le cheveu pour un soin en profondeur. Dès la première application, j'espère avec ce format, hein, les cheveux sont propres, encore heureux, plus souples, brillants et soyeux. Et le plus, c'est que vous avez la fragrance iconique de l'huile prodigieuse. On a une miniature de 30 ml. Le format vente est à 200 ml et coûte 15,90 €. Je vais vous dire ça de suite. Je suis tellement contente d'avoir retrouvé l'odorat parce que c'était l'enfer. Et le goût encore plus. Vous savez à quel point j'aime manger mes clochettes, mais là, c'était l'enfer. C'était que du polystyrène, donc là, je suis vraiment ravie. Ça sent super bon. Alors ça, vous savez quoi? J'ai qu'une envie, c'est de l'utiliser. J'adore ce packaging, la très girly, rose, là, comme ça. Magnifique. Un petit peu, comment on dit
Vous voyez ce que je veux dire? Holographique, presque. Mais en tout cas, voilà, trop contente. Alors là, je suis vraiment ravie, ravie, plus de ce produit. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Je pioche ce produit. Alors, tout est tout cracra dans la box, du coup. Et nous avons là, donc c'est toujours du Corner Green, c'est encore une nouveauté, mes clochettes. De la marque Lueur du Sud, c'est un gommage corps au Monoï. Dans les odeurs, on y est complètement. Il faut que j'ouvre ça. Waouh! Alors, je retrouve pas trop l'odeur de Monoï comme ça. Faudrait voir à l'application. Bon, ça sent bon. Je verrai plus à l'application. J'ai peut-être pas retrouvé totalement mon odorat non plus. Mais trop top. Ça, c'est génial. Le gommage est l'incontournable de l'été avant l'épilation et le bronzage. Ce soin exfoliant élimine les peaux mortes et prévient les poils incarnés pour une peau douce et soyeuse. Sa couleur 100% naturelle et son odeur gourmande de monoï nous propulsant directement en Polynésie. Le résultat, sa texture huileuse rend la peau plus souple et uniforme, prête à être épilée et à gagner un bronzage naturel. N'oubliez pas votre SPF, il nous précise. Nous avons un format de 100 grammes, donc je pense que c'est un full size et qui coûte 10,50 €. Bon, pour le moment, on est tout à fait dans le thème soleil et été, hein. Nous avons ensuite, je vois été Monoï. Bah, bingo quoi, trop contente. J'adore moi les odeurs comme ça d'été. C'est encore une nouveauté. Donc là, on est gâté, Corner Green toujours, de la marque Bio Organique. C'est une huile bio Monoï pour l'été. Un été sans huile de Monoï n'a pas la même saveur. Cette huile de soin nourrissante, protectrice et illuminatrice a été conçue pour sublimer votre peau au beau jour. Sa texture pénètre rapidement la peau sans laisser de film gras. Ça, c'est un plus. Vous avez à l'intérieur des huiles végétales, dont de l'huile de Monoï, de jojoba également. Et d'abricot, ça doit sentir très très bon. Et vous avez également de l'extrait de carotte et de la bêta-carotène pour maintenir la peau saine, souple, éclatante et hydratée. Et il me semble également que ça a un effet sur le bronzage. C'est noté 100 sur 100 sur Yuka et 100% d'origine naturelle. Donc on a 50 ml, le format vente est de 100 ml et coûte 18 €. Alors voyons voir. Alors, ah si, on s'entend bien. Donc, je ne l'ai pas retrouvé totalement l'odorat. Les odeurs faibles comme ça, il faut vraiment que je sniffe à plein poumon, mais ça sent le monoï. Je vous confirme, j'adore. Pour le moment, on a 5 produits. Donc, normalement, je suis censée en recevoir encore 5 autres. J'ai ensuite un petit produit qui est comme ceci dans un petit emballage papier bulle. Donc, ça, c'est bien pour protéger. C'est de la marque Sophia et Mabel. Et c'est une petite palette de fard à paupières. Alors j'ai les doigts tout huileux, c'est une catastrophe. Nous avons une palette pour les yeux de 4 couleurs, teinte on va dire Cléopâtre. Ça se présente comme ceci. C'est un petit peu les couleurs que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Bah écoutez, c'est très 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 joli. Mais je ne vais pas mettre les doigts dedans parce que comme vous le voyez déjà, et eh ben j'ai exactement les mêmes couleurs en fait, donc je vais pas l'abîmer. Donc cette palette de fard à paupières contient 4 nuances neutres et brillantes pour un look naturel au plus travaillé au gré de vos envies. Donc les teintes, une couleur mate aux tonalités brunes à marier à 3 teintes chatoyantes pour illuminer la paupière. La texture de ces fards est aussi douce et facile à appliquer au doigt qu'au pinceau pour une couleur qui tient longtemps. Moi, j'applique tout au doigt car je trouve que je perds moins de matière qu'au pinceau. Donc, nous avons un format vente, 3,6 grammes, qui coûte quand même 16,30 €. Je vais essayer de vous l'ouvrir si ce n'est pas scotché. Je ne vais pas mettre les doigts dedans, encore une fois. Hein. Mais voilà, ça se présente comme ceci. C'est vraiment très joli. Bah, c'est exactement les couleurs que j'ai, quoi. Mais toutes, j'ai mis une teinte comme ça dans le coin interne. Vers le milieu, j'ai mis une teinte comme ça. Et vers le coin extérieur, une teinte comme ceci. Je suis tout à fait dans le thème, quoi. Raccord. Après, de mémoire, elle est quand même bien, la palette. Parce que j'en ai quelques-unes dans mes palettes, moi, personnellement. Et c'est quand même, on va dire, assez intense. Vous voyez, très pigmenté. C'est ça, le mot que je cherchais. C'est très pigmenté. Donc, ravie. J'ai ensuite ce petit produit.
C'est un produit Corner Green, encore une nouveauté, hein, de la marque Summer Stories, je connais pas. C'est un sérum visage après soleil, plutôt intéressant. Révélez votre Summer Glow. Ce sérum apporte fraîcheur et hydratation à votre peau après une longue journée sous le soleil. Il hydrate, apaise intensément grâce à sa texture légère apportant une douce sensation de fraîcheur sur la peau. Dans la formule qui est vegan, hein, il précise, c'est made in France également. Elle contient 95% d'ingrédients d'origine naturelle, dont de l'aloe vera hein, pour le côté vraiment réparateur. D'ailleurs, ils le disent pour réparer, régénérer, et de l'acide hyaluronique pour hydrater et lisser. La peau est rafraîchie et apaisée et votre bronzage illuminé et prolongé. Nous avons 25 ml et ça coûte 21 €. Je n'ai quasiment plus de batterie, donc j'espère que je vais pouvoir tenir jusqu'au bout pour la présentation de tous les produits. J'ai ensuite un accessoire, et ça c'est un accessoire qui provient de chez Blissim. Moi c'est un chouchou violet qui a un coût quand même de 7 €, ils appellent ça maintenant les crunchies je crois. Donc je n'avais pas de couleur lilas comme ça, donc je suis plutôt contente, moi je suis adepte. D'ailleurs j'en porte un là, un petit scrunchie. C'est de la marque Lily Silk en soie, c'est très bien d'ailleurs. Vous savez quoi, les élastiques en soie, parenthèse, j'adore ça. Vraiment, j'ai pas de mal de tête. Parce que moi, dès que j'ai les cheveux attachés, j'ai mal au crâne. Et là, c'est impeccable. Je n'ai pas les cheveux cassés, etc. Donc, c'est le top du top. Après, j'ai un énorme format. C'est de la marque Bioderma. C'est une eau micellaire démaquillante créaline H2O. Donc c'est un full size, hein, vous l'aurez compris. Nous avons 500 ml, ça coûte 4,67 €. On ne présente plus cette eau micellaire culte recommandée par les dermatologues et utilisée par les make-up artistes. Elle nettoie maquillage, pollution, pollen sur le visage, les yeux et apaise et décongestionne également la peau. Sa formule est hypoallergénique, au pH physiologique, sans parabènes, alcool, parfum ni savon, respectant les peaux sensibles. Donc écoutez, impeccable. Alors moi c'est vrai que je suis plus adepte des produits à utiliser sous la douche, donc celui-ci j'en ferai peut-être cadeau à ma petite nièce qui sera ravie je pense de l'avoir. Alors là, complètement déçue, j'ai un mini produit, c'est plus un échantillon ça, je suis désolée. Est-ce qu'il n'est pas marqué échantillon gratuit ne peut être vendu? Ouais, donc là c'est du foutage de gueule, clairement, pardon, mais là ça me plaît pas du tout. C'est de la marque Etat Pur, je vais d'ailleurs écrire au SAV je pense. Actif pur acide salicylique 2%, boutons et imperfections. Mon profil beauté, je n'ai pas boutons et imperfections, donc là en plus c'est une erreur de parcours en plus de l'échantillon. Échantillon offert en plus des 10 produits de votre double box. Ça va, je me tais. Concentré à 2%, c'est l'actif pur SOS pour combattre localement les imperfections sévères. Son action exfoliante favorise la régénération de l'épiderme et élimine les cellules mortes en surface de la peau. Les imperfections sont visiblement réduites, la peau purifiée et le grain de peau affiné. L'acide salicylique aide à libérer et resserrer les pores tout en réduisant l'apparence des points noirs. Donc miniature 1 ml et forme à vente 15 ml. Le format vente est à 16 €. J'ai eu peur, hein, quand j'ai vu le mini format, là j'étais dégoûtée quoi. Ah, je suis très honnête, hein, dans mes vidéos, si vous me suivez, je ne peux pas faire autrement. J'ai ensuite un produit de la marque Aqua Hero. Et là, c'est une gelée nacrée corps après soleil. Donc, c'est une nouveauté également, qui coûte 16,90 €. Rien de plus agréable qu'un petit coup de fraîcheur et d'hydratation sur la peau après une belle journée d'été. Cette gelée après soleil calme les échauffements de la peau et rafraîchit intensément. L'épiderme est apaisé et hydraté, votre bronzage sublimé et prolongé. Donc dans la formule, c'est vegan, made in France. Elle contient 95% d'ingrédients d'origine naturelle, dont de l'aloe vera pour adoucir et apaiser, de l'allantoïne pour adoucir et réparer, de délicates nacres pour sublimer le bronzage et un délicat parfum estival de Monoï. Ça j'adore, 100 ml. Je suis dégoûtée d'avoir l'huile de partout. Alors là, je sens bien par contre. Ouais, alors là, ça sent super bon. C'est vraiment une box qui sent très très bon l'été avec une petite touche de make-up. Pour le moment, je l'aime beaucoup et de toute façon, je crois qu'on arrive à la fin. Eh ben oui. Eh ben oui, je n'ai plus de produits, mes clochettes. Est-ce que j'ai un petit spoiler à vous donner? Malheur.
petit spoiler, mes clochettes, pour le mois de septembre avec une marque de dingue, la marque Tarte. Et je vois le shape tape, je crois, enfin vous savez l'anti-cerne mythique de Tarte. Et je vois également le mascara Mayonnaiser, je ne sais pas comment on dit, vous savez, avec les petites taches là, type léopard. Donc peut-être que l'on aura un choix à faire. Oh, vous savez quoi? Mais j'espère de dingue. J'espère. J'adorerai. Et pour septembre, vous méritez le meilleur pour une rentrée de toute beauté. Tarte, la marque de make-up made in USA, vous réserve son best-seller pour votre box de septembre. Rendez-vous le 8 août pour un choix que vous ne serez pas prête d'oublier. Et ben vous savez quoi? Je pense qu'on aura du coup le choix entre le mascara ou l'anti-cerne. Si je peux moi vous donner un conseil, alors moi mon préféré c'est le Bagdal Bang de Benefit hein, au niveau du mascara. Je vous le dis à chaque fois, mais regardez-moi ça. Je l'adore quoi, il est trop beau. Donc je vous conseillerais peut-être plus l'anti-cerne. C'est pas mon préféré, moi je préfère celui de chez Huda Beauty qui est discontinué avec le petit embout en fer qui était génial. Il y avait une vente privée, j'ai fait une razzia, j'en ai commandé 4 ou 5 je crois. Mais le Tarte, il est très très bien également. Il est un peu trop fluide et pas assez épais pour moi. Mais il est pas mal du tout et vous avez plein de teintes différentes. Parce que voilà, chez Tarte, c'est un truc où l'anti-cerne, vous avez 10 000 teintes possibles. Donc j'ai trop hâte d'en savoir plus, mes clochettes. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que cette présentation vous a plu. Tout en monoeil, tout en plage, tout soleil. Moi franchement, j'adore. Dites-moi ce que vous avez reçu comme sélection. Moi, je suis quand même plutôt contente de la mienne. Honnêtement, je l'adore. Voilà, impeccable. Franchement, elle est trop canon. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.